Opération Garçon pas campé a continué dans Belé ak Solino. M'a gardé qui j'ai policier yo pété balle sous bandi, son bagay grave. Dans image drone yo voye ba nou, m'a gardé tactique bandi yo utilisé contre policier yo qui nan blindé. Son bagay qui vraiment drôle, si policier yo pa veye koyo, ya victime en bas men bandi yo. De nos jours, bandi yo pa fait tête chaud pour tirer avec la police. Étant donné la police gen cha blindé, bandi yo même c'est à pied qui yoyé, y a tant policier yo me pied à terre pour tirer. Bandi yo pa gaspiller cartouche encore. Entre-temps, premier ministre Gary Conil fait une grosse réunion avec DG police là, général l'armée d'Haïti a accompagné avec chef mission Kenya pour discuter sous bilan et évaluer opération qu'a fait sous terrain. PM nan vle konnen sa k passé, li vle konnen ki bilan ki gagné sous question opération ça. Police Kenya yo bon côté pa yo, c'est gros plein qu'a fait parce que yo poko touche l'argent de mois yo fait dans pays d'Haïti. En plus moun a posé question, qui ça n'est Kenya a fait pour toucher des mois travail yo? Nous tout connaît c'est moun qui travaille qui mérite salaire. Est-ce que n'est Kenya au travail pour payer yo des mois? Pour qui ça plein là? Jusqu'à présent, on pas connaît. Regardez la vidéo ça jusqu'à la fin. Je vais nous plus d'état avec précision. Je vais demander à la chaise ou chita pour qu'attendre ça. Je vais dire là et c'est si je vais une vidéo. Je vais vous montrer. Dans l'opération qu'a fait là, je vais vous montrer l'opération garçon pas campé, opération balé ouzé. 15 chablende, c'est que bandit yon en belé. Ak Solino. C'est pas d'un cap grillé. Si 15 chablende qui débarquent, aller dans opération, ça veut dire là c'est pas un jouet. M'a regardé bandi qui vraiment intelligent, il caché derrière mi, il a regardé Chablinde. Ça pi drôle dans image qui rive jeune moi hein, Chablinde a campé devant bandi yo, bandi yo campé derrière mi hein, il font tourner dans mi hein, il a filmé Chablinde. Mais Chablinde a m'a dit là avec 20 mètres de distance et puis tout bandi yo même yo caché derrière mi. Police pas même bandi yo, c'est le bandi qui gagne contrôle police yo dans blindé. Mais faut me dire bien grand pile bandi tombé, grand pile bandi tombé dans opération balé ouzé, opération gas pas campé. Bilan yo en pile m'a tenu 9000 rameau. Gè 3 policiers qui blessé m'te dit ça déjà dans émission précédent, mais état santé au stable, y a prend soin que ka ou nécessité. Kounya la m'a demandé pour prêter ma attention, prends son prend temps, on a regardé vidéo ça ensemble. Il va faire vidéo à regarder.
téléphone n'a blindé. Il n'a pas lâché le bébé. 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 Il n'a pas lâché le Et pas de pire, ouais, ouais, ouais. Non, ça, ça y est. Non, il va pas plus loin. Ça y est, descendez, descendez, frère. Combien d'escaliers ? Oui. Ouais, ouais, ouais. Oh, allez, la femme, la femme. Ça va nous voler par nos journées. Va mettre pied à terre. Où va mettre pied à terre? Ça va descendre. Il y a, il y a, va bien, va bien. Faut essayer mettre pied à terre. Et David, il a encore fait des trucs. Et si je baille ça, on peut te bailler dans la ville. Il faut te stopper. Vidéo ça, on se regarde là. Ces vidéos bandits ont filmé, ils ont publié sur le réseau. Ils ont filmé vidéo ça pour montrer qu'ils sont à l'aise dans la bataille. Les policiers ont été blindés, ils ont pas voulu mais ils ont été. Bandits même en tant que bon intelligent, ils attendent les policiers mais ils ont été pour tirer les policiers. Côté bandits caché là, bandits pas et les policiers pas non pardon. Quand nous web mandio caché derrière mien, police que nous blindé pas ouais. D'ailleurs pas tiré, il va faire bruit. Mis ça, li m'te ka di yo utiliser comme abri. Il fait trou dans mien. Yon trou, yon façon pour bouge zam nan ka sorti. M'a regardé qui je nèg yo zoomé blindé a. Blindé face à face. M'te le gomand di ki di comme ça. Trois chars blindé ça nous voit dans vidéo là. T'as les consens pour le boulet. Ça qu'on est. Il y a un piège pour blindé. Étant donné la police qui est blindé, il y a un blindé au goût seulement. Il y a un piège pour blindé. Il y a un blindé à coller pour qu'il pète le bal sous lui. Kounya là. Le blindé à coller. Nous connaissons bien ça. Il y a un ridicule. Il y a un collé là. La difficile pour qu'il décoller. Le blindé à coller. Vous pouvez lancer bouteille comme tel molotov sous blindé. Depuis que les policiers blindé à coller, pas qu'à décoller. Bandi fait tentative pour venir bouler blindé. Et ceci, les policiers ont demandé renfort. Vous pas qu'à jouer. Laisse ça, les policiers ont abandonné blindé. Si et seulement si vous avez la capacité pour abandonner blindé. Immédiatement, Bandi va prendre blindé ça, il a boulé. Mais le nécessaire, policiers yo yo pas pris dedans faut nous veiller moi m'a demandé moi même est-ce que dans opération ça pas un drone yo t'a supposé faire un groupe n'est qu'a dit peut-être à faire yo vidéo zoom n'a lancé drone là chaque blindé qui dans opération là a accès avec image drone là. Pour nous voir qui côté bandi yo yé, qui côté bandi yo caché, pour éviter policiers victimes dans l'opération. Imaginez-vous, gardez blindé là, mais bandi yo derrière mien. Police va connaître si bandi yo derrière mien. Si vous connaissez, vous avez progressé et ensuite, vous avez pété avec bandi yo. Hein? C'est grave. Les ISO a mené opération, li lancé drone en l'air, li wè kont la police, li wè kote blindé policier yo, yo façon pour bandi yo, pas pour tête yo bourré pour la police touye yo. Qui j'en fait pour la police pas utiliser technologie a, li pas utiliser drone ni pour goumer face gang yo. La police manque intelligent. Yo t'es supposé lancer drone yo, voye image à ba chef blindé a. Puis vous voyez exactement côté bandi yo positionné yo. Laisse ça. Il est plus facile pour les policiers de tirer bandi yo. Il y a plus bandi qui tombe. Hein? Bilan en pile. Mais maintenant, pour ça, je vais vous comme chiffre, je vais vous parler. Maintenant, je vais vous donner pour dire exactement combien de bandi tombe dans l'opération Garçon Pas Campé ça qui gagne dans Bel Air. Mais ça,
premier ministre Gary Conille, il fait une grande réunion avec DG Police là, général l'armée d'Haïti accompagné avec chef mission Kenya pour discuter sous bilan et puis évaluer opération qu'a fait sous terrain. Gary Conille, il veut connaître ce qui a passé à terre. Li vle gen bilan sou opération ka fait la. Li pa vle tande nan bouche moun. Men vle, se chef yo, se responsable yo ki pou di men ki jan ba la ye a te a. Pendant an kout sa, premier ministre lan a konde ka di li encourager commandant force l'ordre et continuer avancer ak opération de kay pa kay la. Nous songeons, PM nous a dit, opération va faire de caille en caille. Eh bien, chef la Matia, lui dit, nous pas faire bac. En avance pour pire devant. Lui profiter remercier vaillant policier yo qui sacrifier yo pour aller dans opération ça. Lui ben assurance gouvernement pas plaquer policier ça yo qui participait dans opération Silayo. Moi par contre si Gary Conille campé sous foulay étant donné le dit gouvernement pas blague policier vrayan sa yo qui sacrifier yo qui fait sacrifice qui baille tête yo pour goumer avec gang démanteler gang touyer gang moi m'le pour baille policier yo en prime de risque. Accompagner policiers yo, augmenter l'argent policier yo. Chaque policier qui participe dans l'opération, yo supposé gon monnaie dans poche yo. Clair. Chaque opération, policier ça supposé gon comme 1000. Et là, m'a regardé sur encourager policier oui. Faut nous augmenter salaire policier yo. Oui. Faut nous augmenter parce qu'il y a un policier qui quitte madame petite maman papa frère c'est là dans opération avec gang depuis il tombé il mourit là il mourit pour la patrie là mourit pour côté lui et ceci la police est pas bien bien touché parce que ça mais Kenya a touché 1200 1400 1600 dollars américains policier a touché eux-mêmes y en a 250 dollars américains hein si police a bien touché. Il y a des policiers qui pas entrer dans la gang, non? Il y a des policiers qui pas entrer dans la gang. Si la bien payé, en tout cas. Eh bien, pendant que je parle de bien payé, les policiers Kenya eux-mêmes, ils ont plein. Je fais qu'on est eux-mêmes, ils sont sous deux mois là. L'argent te promet, ils ne peuvent pas recevoir l'argent ça. Yo poko touche comme ça ou te pou mettre là. Policier Kenya yo, nous connaît, nous pas régler rien sérieux dans pays d'Haïti. Pour qui ça n'a plein, du fait que yo poko paye nous. C'est moun qui travaille qui joue l'argent. L'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Nous pas travail, nous pas mettre salaire. Policier Kenya yo, y a plein. Yo boudé l'argent yo te pour mettre là yo pour recevoir femme bien c'est quelques policiers Kenya yo qui installé dans pays d'Haïti on croit c'est 400 qui yo qui parlait en bas par en bas on te dit en bas chal avec journaliste CNN yo yo fait connait yo pour que j'ai une cob depuis 2 mois yo dit yo gain urgence pour l'argent yo parce que l'école pral l'ouvri dans pays yo Kenya yo vle voyer l'argent ba famille yo pour gérer que son l'école pour petit yo n'a rappelé c'est ONU à travers Canada États-Unis la France qui responsable pour payer force multinationale pays Kenya qui dans pays d'Haïti. Si nous voyons la France, Canada, États-Unis, pas voir l'argent ça, c'est parce que net Kenya yo, pour eux-mêmes, yo pour travail. Yo vinn nan formation. Pour travail, faut
Yo ta touye bandi. Gèle se de territoire la, yo ta récupéré. Yo pa travay. Se menti seulement ou bay. Menti seulement nek Kenya ou bay. Yo relèj la stopé yo bay menti. Oh oui, depuis là ou là, yo récupéré plusieurs territoires, menti oui. Bon nous récupérer plusieurs territoires et puis nous va monter caser nous là. Et nous là pour. Eh bien, continuez à plaire. Parce que tout un beau travail là, nous ne pouvons pas recevoir l'argent. Ça. Nous mettons quoi même. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour nous inviter dans l'autre dossier. Pablis Channel, ça. C'est Production 69. Je vous demande pour like, abonner, peser, sous cloche notification, retirer, sous persuasion. Mettez sous tout pour les nouvelles vidéos pour ne pas rater. Août 2024, gagné 20 véhicules blindés d'après information qui est disponible. Qui rentrait pour le compte de la police nationale d'Haïti. Hein. C'est des véhicules blindés de marque Toyota, toujours selon ces mêmes informations. Ils sont des Émirats Arabes Unis. Et précision importante pour nous mettre, ce n'est pas M. Damko Niyo ou bien CPTO qui fait commande ça, mais c'est depuis tout une commande qui était placée. Depuis sous gouvernement Ariel Henry en an fin année 2023. Gouvernement pas vraiment communiqué sur ça. Cependant, hier, pendant toute journée, vendredi, pendant tout samedi dans la matinée, il y a des vidéos qui deviennent virales sur Internet là qui montraient plusieurs véhicules blindés de couleur noire avec sirène. A défilé au niveau de la route de l'aéroport, etc. C'était des véhicules bien escortés, donc c'était quand même facile guerrier pour monter capable de constater ça. Cependant, les nous aller dans un article qui est publié dans le journal Le Nouvelliste. Guerrier du seul, nous avons des éléments, informations, nous pensons qui est important, nous t'a dû partager avec amis auditeurs, amis internautes. Par exemple, nous apprenons que ensemble équipement que gouvernement Ariel Henry a été commandé, il faut qu'on arrive, et gouvernement Garry Conille, à travers budget. Rectificatif 2023-2024 là, y a même tout plaçon commande guerrier qui concernait de l'autre équipement. Okay. C'est une bonne nouvelle là, oui. Oui, oui, oui. Qui concernait de munitions également pour capable renforcer, je voulais capacité opérationnelle, force de sécurité haïtienne yo, et n'a pas parlé là de l'armée avec la police nationale d'Haïti. Et toujours selon ce même article guerrier du seul. Il y a des discussions ensemble avec partenaires Haïti au niveau international pour voir si Haïti est capable d'acheter pour y aller grâce à la montée. Oui. Pour y aller monter grâce à la descente. Oui. Pour voir si Haïti est capable d'acheter 5 hélicoptères pour mettre à la disposition des forces de sécurité. Mm-hmm. Si ça t'a fait, premier monde qui est content dans le pays, il y a guerrier. Non, je suis content. Guerrier, je vais ça en pile. Oui. Et on dit nos discussions ont avancé très très bien. Et quand pile promesse qui fait, l'irrité qu'on y a pour qu'on ait, est-ce qu'il n'y a pas concrétisé ou pas. Et nous après le gouvernement, guerrier du seul, t'as déjà fait des décaissements pour le budget rectificatif là. Et permettre, guerrier, pour gagner des moyens. Et à la disposition force de sécurité pour capable répondre à satisfaire besoin de population en matière de sécurité. C'est ça, M. Carlos Hercule, ministre justice et sécurité publique. Guerrier, tu es 10 journal là, ça ne pas de rentrer dans trop de détails pour parler de qui ça va qui type qui nature équipement à pied et à qui est un partenaire international en discussion. Mais ça que certain, guerrier, c'est que dépenses de sécurité qui était faite sous PM Ariel Henry Agaye, il est inférieur à part Koni. C'est-à-dire sous Koni, il a augmenté là. Okay.
Et je pense que c'est une bagaille gouvernement voulait montrer à travers le budget qui est pour montrer que sécurité, sécurité c'est une priorité. Question prioritaire. Sécurité a demeuré en priorité dans le budget rectificatif là, enveloppe investissement allouée initialement à PNH là, qui te représente 19% dans l'enveloppe là, financée à partir du trésor public, il atteint désormais 39%. Dans ce qui concerne force l'armée guerrière, proportion est passée de 4,66% à 5,26%. D'après ça, le ministre économie et finance, Kétin Forestal lui-même, il fait le nouvel escroc. Ressources allouées à PNH là, à Clamia, toujours d'après ministre, ils permettent acquisition plusieurs équipements et matériels de sécurité essentiels au renforcement institutionnel et opérationnel de la police et de l'armée. En plus, il y a des contrats qui ont pour avec des matériels de sécurité qui sur le point là pour finaliser. Et il y a l'autre équipement, on a des hommes, qui quand même en cours de livraison. C'est-à-dire, à part de livraison qui était faite vendredi, à Sinkwe, responsable au niveau gouvernement qu'on est là, attendons à de l'autre livraison en jour qui a venu au lager. Il y a l'autre bord, allocation qui était dédiée à la sécurité, il permet pour recruter en promotion de policiers et puis mise en branle d'un processus qui permet de faire 500 jeunes guerriers qui arrivent à intégrer eh bien, la MIA à titre de soldat dans l'idée pour capable renforcer guerriers capacité intervention force de l'ordre. D'après ça, le nouvel ISDI, il y a des discussions qui sont en cours pour être capable de doter FADH de moyens. Tu dois gagner 8 pick-up qui, dans le moment, n'a pas parlé là, qui est à la disposition de M. Dame Foslaméo. Et les militaires ont utilisé pour capable de réaliser des patrouilles dans la rue. Sinkwe et ça qui est sorti comme information de bon côté gouvernement. Il y a des équipements qui sont en route pour capable de renforcer la capacité opérationnelle force de sécurité haïtienne ensemble avec la mission multinationale de soutien à la sécurité. Il y a des armes qui sont en route de guerre, des munitions, des balles qui sont en route, des blindés qui sont en route toujours de guerre. Pas moi qui parle, moi je dis c'est le gouvernement qui parle avec le journal là. Je dis oui, il y a des commandes d'équipement létaux pour PNH là, FADH, commandes à yo qui effectué par l'État, il a prend un petit temps pour y arriver, donc mon yo mettre tête frette. Donc nous pral vite et bien, gagne des tracasseries administratives, gagne un peu de restrictions que tu gagne. Donc par rapport à problème ça, gagne un appel qui fait pour être capable de faire bouger l'igno. Et bien d'après sous ça qui souligné pour le nouveliste, que augmentation drastique équipement yo et c'est pas un bail comme si qui pral fait non seulement du jour au lendemain mais qui pral changer bail yo tout du jour au lendemain. Le premier ministre Garry Conille, guerrier du seul, semaine ça yo, il était parlant pile pour souligner urgence pour partenaires internationaux respecter engagement au terrain envers mission ensemble avec Haïti. Ça c'est pour information. Mais bon côté pas le tout, il y a les États-Unis d'Amérique à travers le commandement de l'armée sud-américaine qui a annoncé livraison 24 chars blindés. Ça a été Max Pro, résistant aux mines et protégé contre les embuscades. Ils ont commencé à livrer, toujours selon communiqué ça, au niveau de l'aéroport international Toussaint Louverture. Et 24 Max Pro, ça a été gros char blindé, avait dit qu'il a passé dans Wash, qui a monté Mon, Manzou, qui a été pape, embuscade, qui a pris un petit trou, qui a fouillé, qui a fait ça. Donc, il y a 24 comme ça qui ont commencé à livrer. Et yo pral servi, c'est quoi communiquer commandement l'armée sud-américaine guerrier au niveau des États-Unis. Eh bien, MMS là qui était déjà 10 déjà. C'est pas moi qui parle, c'est information. Et l'important pour souligner que livraison matérielle ça yo répond à un besoin. Pour la police nationale d'Haïti, c'est pas sous rameau. Depuis quelques temps, la police a fait face à des problèmes très sérieux. Yon là-dedans, c'est manque de matériel. Tout le monde qui parlait pour la police et la police, toujours d'accord que par rapport avec ampleur situation, la police a besoin de matériel qui est adapté à la réalité. Donc, livraison 20 blindés à eux, capable d'aider non sens ou bien non l'autre. Cependant, comme nous autres, nous pas des spécialistes, nous pas des techniciens, nous pas forcément connaît matériel, est-ce que 20 blindés à eux venir là, c'est bon blindé, c'est pas blindé? Jean Inca, c'est bon, non, c'est eu de blindé, nous songez comment qui est fait auprès.
de Canada, ben di onik vini là, yo font monter car vous faites yo tout en panne. Ou bien yo font arriver là à cabaret, vous yo en panne. Et puis autorité côté OEA. Donc qui garantit que nous gagne aujourd'hui a que blindés a qui arrivé dans pays a, yo supérieur à ça de que t'acheter dans Menka et non année qui passé. Et qui garantit nous gagne tout, guerrier de seul parce que voyez blindé a c'est utiliser là. Son l'autre mais qu'on a entretenu là. Son valet. Est-ce que gagne des prévisions qui fait pour qu'on ait si blindé à compagne? Comment y a géré ça? Question caroutchou blindé vendre pile l'argent côté abjeuni qui facilité qui gagnent pour la police comme si permettre que les approvisionner en bas comme ça. Et est-ce qu'il y a ressources humaines sur place? Ok. Avec dit moi on va être très simple. Si blindé a pas le fond travail là, peut-être qu'on cas qui doit pas de prévoir. Il vient faire face à elle et puis vous pliez en panne. Est-ce qu'on a dû virer nous quitter là et puis on va mettre dans coin de l'empanne même gens ça négocié boulé non annexe douane qui gantier pour dire la police t'a explication pour dire ah c'est ton blindé qui en panne était quitter là non avait dit voyez blindé à Seigneur fait le river dans pays là mettez la disposition force de sécurité pour utiliser là son lot mais le gros lot qu'on y a là c'est comment on a fait entretien là-dedans si l'empanne bizarre qu'a fait si qu'un caoutchouc pour changer si qu'il y a des pièces est-ce qu'il y a des techniciens sur place qui formés pour ça le bail qui important on dit que États-Unis lui-même sorti communiqué dans un contexte côté il était fait objet d'un paquet critique et qui ça critique yo tout le monde dit ah Jean États-Unis était prend pause li dans devant dans question force multinationale là qui ça qui empêchait pour ensemble d'équipement yo te promettre qui pour qu'a venir et on parle de $300 million américains qui était débloqué pour capable soutenir force en Haïti alors que après opération conjointe qui était faite gantia entre la police et monsieur Kenyayo commandant pour Kenyayo t'a plein pour dire mais ça que fait au battre vivre au battre été que des matériels ont demandé les États-Unis ont dit mais qui ça voulait qui peut co venir donc me penser ça tu viens faire gros tollé dans la presse même nous autres guerriers c'est seul nous te font bon temps là n'a fait jiguet international là nous dit c'est soit vous aider nous ou bien vous pas aider nous oui. Mais qui t'en chercher ou bien qui t'en chercher l'autre côté je pas qu'à bloquer des côtés qui voulaient aider nous pendant que il y a pas bien rien et Gary Conné comme premier ministre ça il faut le reconnaître dans réunion gain avec groupe Canada pour donner dans interview il était by média anglais dans l'autre et intervention il fait bon côté blanc vert yo il quand même acculé pour dire que yo t'ai fait des promesses, yo t'ai pris des engagements, donc il y a nécessité pour avancer sur yo pour passer de la parole aux actes. Et bien parole ça yo pas sans conséquence. Et m'a bonnet avec nous d'après on sous moi ça cap discuter dans radio, dans télévision yo, yo rivé dans oreille ambassadeur. Et ambassadeur, n'a parlé d'ambassadeur pays États-Unis en Haïti. Comprenez, li fait lui veut côté le doit rivé à tout. Donc nous pensons que c'est résultat ça, résultat tout parlant pile ça pour te dire États-Unis et c'est soit retirer quoi lui permettre que nous collaborer avec l'autre pays ou bien s'il avait de nous l'aider non ça fait fin font paquet de promesses et puis c'est virer de l'aller et puis n'a pas souffrir à gars et ben là vous avez entendu parole là gars yo 24 bon blindé bon blindé d'après ça qui dit parce que t'ai des critiques pour dire que blindé que là yo c'est des véhicules de transport yo yé yo pas de gagner des protections aériennes etc. Et c'est ça que fait, vous avez parlé de langage technique tourelle, vous avez installé. Vous comprenez? Eh bien, vous dites nous, là, d'après l'information que l'évangile nous a, il y a du seul, eh bien, il y a une mission transport C-17 qui a pour livrer 34 kits de protection des tirs aériens. Ça nous a les tourelles là, et sous-traitant qui est financé par le ministère de la Défense, a bien pour installer tourelles sous véhicule blindé pour capable améliorer champ de vision tactique et protection personnelle masse-là. Qui a bien pour utiliser blindé ça au moment où il va mener des opérations de sécurité conjointes qui va mener par la police nationale haïtienne toujours d'après communiqué on va continuer pas jouer ton bagarre on a des autres. Alors c'est bien que gouvernement la fait belle acquisition pile matériel etc. et c'est peut-être un petit cas rassurant pour nous même donc dans la population qui besoin que une réponse significative par rapport à question banditisme mais une question Johnny Ferdinand. Est-ce que nous avons une main d'œuvre appropriée pour pilotage matériel? Ça, par exemple, nous devons parler de l'hélicoptère. Qui est-ce qui a piloté l'hélicoptère ça? Est-ce que nous avons
police de l'air qui est capable d'assurer la question. Est-ce que c'est mon force multinationale qui a fait le boulot? C'est deux questions que nous capables poser par rapport justement et à l'acquisition matérielle. Mais somme toute, je pense que c'est de bon ton et c'est déjà une belle nouvelle que gain en pile et j'ai fort qui a fait beaucoup de autorités dans l'État pour doter pays de matériel. Et c'est bon ton tout que nous même dans la presse, leader qui a intervenu autour, ils ont mis en pile en phase sur question aide parce que jeudi, Jean Abdilan, nous besoin véritablement de aide qui est capable d'aider et non de aide qui semble une hypocrisie par rapport à des promesses qui a faites, par rapport à des engagements qui a pris et puis réalité souterrain, nous qui s'allier, c'est nous qui sommes victimes de lui et c'est nous même tout qui a marché plein chaque jour par rapport à ça qui est là comme réalité. Avec rive matériel ça yo, on a des hommes intelligemment, ni nous même ni mon capitaine de là t'as qu'à poser question ça. Est-ce que ça veut dire gros problème nous toujours Abdi là vous avez rien tout résoudre? Nous pas quoi. Cependant, madame monsieur, nous croyons que matériel ça yo a d'une importance capitale. Dans la mesure où yo arrivé dans un moment côté force de sécurité yo voulait réveiller. M'baron ne sait parce que yo tendez trop critique. M'baron sait parce que yo recevoir trop frappe. M'baron sait parce que yo estime qu'il y a pile annonce qui fait qui pas jamais bien suivi même au niveau de l'autorité des autorités et centrales, il y a bail yo annoncé guerrier à chaque fois ou même ou pral tan qui ça résultat pral lié ou essayer notre marinade. Eh bien pendant dernière 24 heures ça yo on réveille. Il fait bon côté force de sécurité yo, bien entendu sous leadership gouvernement et on pense matériel ça yo capable aider. Si bien que nous gagne nouvelle là, yo dit nous depuis hier là la police mobilisée ensemble avec l'armée ensemble avec et mission kenyana, c'est yo classement, on va dire mission multinationale baba. Kenya ou là, il a frappé au niveau de Bel Air, au niveau de Solino. Quand pile parole qu'a dit au paquet de bagages à répéter. Cependant, nous autres, nous pas venir la matin pour nous commenter opération la police. OK, n'a quitté la police fait travail li. D'ailleurs, nous ba tête nous ça comme obligation depuis la police a fait des interventions, a fait des opérations, toute appréciation n'a fait à et posteriori. Ça veut dire les bagages fin fait, vous comprenez? Les la police fin peut-être bail bilan, vous comprenez? Les fin annoncer qui résultat travail li intervention là. Nous même nous ca peut-être faire des appréciations, mais pour l'instant, n'a quitté la police fait travail. Cependant, on a des hommes guerriers du seul. Il y a quelques éléments fondamentalement t'a dû souligner aujourd'hui et nous estimer qui t'a dû attirer attention puis aux autorités en l'état. Aujourd'hui, vu l'urgence de l'heure, vu l'importance question sécurité a de gagner, vu sa cap ou bien sa doué priorité pour nous comme pays, mais pour le gouvernement, pour transition ça, nous pensons pour les bagailles là, si vous voulez faire la police là, travail, pas parler de task force, il faut que tu aies une cellule d'urgence guerrier. Yes. Et pas CSPN, comme si Gabriel réuni, on leur comme ça. Vous comprenez? On leur comme ça, guerrier du seul, et puis après, ça va entendre de encore, non? N'a parlé en cellule d'urgence et bien content. Dans petit journal là moins ouais que vous soulignez ça hier matin une réunion qui fait dans sens ça et m'ta bien content si même moun za yo t'a arrêté mobiliser en permanence dans quatre cellules d'urgence ça pour continuer faire même travail là. Réunion stratégique ou t'es parlé là qui était faite dans villa d'accueil qui gagne président conseil supérieur police nationale là n'a parlé de docteur Gary Conin ministre justice là Carlos Hercule, directeur général de la police, Ramon Normil, général en chef Lamia, Derby Guerrier, et commandant force multinationale qui c'est Godfrey Otunge. Puisque son pays, permettez-moi de dire comme ça, qui en situation de guerre, puisque son pays qui est en bataille, parce que gagne eux-mêmes, ils déclarent la population à la guerre, et principal défenseur de la population, c'est l'État, et l'État est représenté à travers l'autorité ça qui là. Donc je dis à nos pensées, ce n'est pas le moment, j'aime toujours dire, pour négocier chita sous l'ogéo, il faut que cellule ça, à partir de réunion faite hier là, tout était là. En permanence. En permanence. Et c'est pas pour sans raison, il a décrété l'état d'urgence là. Sinon, il n'y a pas de besoin de faire.
si pas de urgence, donc pas besoin de toute liberté ça. L'État pas besoin de toute liberté ça. Moi tendez à parler de stratégie opération dans cette ville par le président, qui était dans mitan discussion yo. Yo parlé de comment y a essayé supporter force de sécurité yo et on dit même hier soir encore. Gary Kouni a participé à une réunion dans cette opération urgence, la police, le commandant BNH, l'armée, chef mission, etc. Pour regarder qui sa bilan intervention de la police est sous journée et pour évaluer l'opération qu'on fait là. Et je pense que l'exercice a été fait chaque jour jusqu'à ce que le résultat vienne. Moi, je pense que sous côté cellule d'urgence qui est supposée travailler sur question stratégique, il doit y avoir une cellule de communication pour permettre que la divulgation que le gouvernement lui-même a fait. Il n'est pas entravé travail la police là. Exactement. Et puis, il baille confiance toi, population, puisque dans le contexte que nous y là, je dis, il est nécessaire, il est important que le mariage, police, population, pour résoudre sa guerre souterrain. Par exemple, si nous faisons état de opération qui a fait depuis hier soir, là, il n'est pas trop nécessaire que le gouvernement croit communiquer. Parce que bon tendance pour que y ait de communication qui fait pour que les là prend un frame politique par rapport à ça qui est souterrain là. Or, je dis en là, en pleure situation, ce n'est pas frame politique là qui est important. C'est surtout bien concentré et fort, et puis, bah, bon résultat que le pays a obtenu. Par exemple, le gars de communication qui fait, il y a beaucoup d'officiels. Dans la nouvelle, qui est plus retenu? La police mène l'opération? 60 blessés. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tout reste nouvelle, ou par exemple, pour bandit, c'est au conditionnel. T'as assemblé un bandit mourir, t'as assemblé un pile qui mourir. Si vous avez une information qui est 3 soit blessé. Si vous avez une information qui confirme, c'est que vous avez 3 soit qui blessé. Ça va être nécessaire. Or, ça va être nécessaire. Et ça n'a pas fait l'affaire non plus de opération, puisque ça peut-être après permettre qu'un pile monde commence à avoir un petit doute, il a exprimé à. On a dû rentrer là, dans la messe, soit tu veux aller mourir dedans. Parce qu'on perception qu'on a déjà qui manquait permettre que Mounio place confiance, comme Dakadi, dans l'action qui a mené et bon côté de la police. Je pense que, et une cellule de communication qui pourrait gagner, parce que, en temps de crise là, il y a des éléments d'information en temps de crise, il faut qu'on bien maîtrise pour qu'on ne vienne pas envenimer la situation par rapport à ça que et on va parler, ça que on va divulguer comme information. Donc si vous comprenez bien, les hommes vous voulez dire modèle communication traditionnel là où ce qu'on a fait venir présenter bilan dit bon noir et trois monde sans bandit mourir, il y a des amis qui saisi. Donc c'est pas les mêmes yo ta dû prioriser dans situation là. Faut que gagne en communication qui est adaptée. En communication qui est adaptée et qui accès surtout sur résultat. Parce que je dis à la moi-même Ronald des hommes, ou même Johnny Ferdinand, ou même guerrier Dieu seul. Nous même qui regardons, qui attendons la Radio Caraïbe, le seul bagage que nous avons besoin, c'est que la police rentre et Bel Air, elle rentre sous l'île, elle prend contrôle de la situation, et puis elle rentre, elle permet que la vie retourne dans la zone. Je pense que c'est ça qui est plus important. Et ça visible. Et ça visible. On n'a pas besoin de récupérer le film, non? Visible. Premier ministre, pas besoin de dire, mon cher, mais ça nous fait, monsieur, tout le monde a pris temps que, ah, mon cher pays a été dans une situation difficile, Gary Kouni est là, CPT est là, on met tête ensemble, la police là avec DG Nomil Rameau, mais qui s'accueille au bail comme résultat. Et c'est ça, me pensais, qui est important, son communication qui accède au résultat, pas une communication qui chita sur le modèle comme si nous avons pris un frame, et puis nous avons dit, c'est la presse qui pourrait aider nous avancer, mais c'est le résultat nous qui pour garant de bonnes actions que nous avons posées sous terre. Moi, je pensais que jusqu'à hier, meilleur comportement et la police doit gagner ce silence. En attendant que nous gagnions des éléments, concentrez-nous sur ce qu'a fait là. Vous comprenez? Concentrez-nous. Quittez la presse qui a recherché qu'on est et qui s'accrive, les policiers qui s'accrive. Vous comprenez? Yes. Mais nous-mêmes, nous tapons juste et rester là. Qu'on y a là, si nous devons gagner des éléments qui sont capables de constituer une nouvelle, par exemple, on dit, et nous avons un chiffre là, dit 20 bandits tombés. On dit, nous saisis et une dizaine de armes manches longues. Pour moi, on dit par exemple, dans l'intervention, un chef gang belé a tombé, etc. Je ne vais pas vous mentir, mais là, la police a communiqué, et qu'on y a là, dans la communication, la police a appelé, il y a trois agents SWAT qui blessés, mais il n'y a pas grave, ta santé au stable. Yeah. Mais le fait que vous communiquez, et puis, nouvelle ou vine, vous disiez trois agents SWAT qui blessés, même le nous-mêmes. La police est véritable victime, non? Même le nous-mêmes, la presse, nous avons décidé et orienté. Bah yo, mais la nouvelle vérité c'est que il y a trois soit blessé. Qui va bon pour la police. Je pense que si la police te dit ça dès le départ, il va là pour autorité qui dans l'autre niveau tout. Il y a beaucoup gain débat qui intéressant, qui convaincant, qui capable aider parce que meilleur comportement ou doit adopter
dans situation de crise et fait silence. Fait silence, l'or vient gagner bon genre élément dans mon bon genre donné dans mon pour caler corps pour imposer. On se comprend. Et puis l'autre bagarre comme c'est si monsieur la police est concentré ou son un foyer que aurait été là. Que on neutralise elle. Question aller ouais font opération jodi même jodi à tout le monde tout policier tout le monde dans la base yo et puis bandit qui lui-même est rentré dans trou les retourner c'est laver monsieur à terre sinon ça va jamais finir ça va dire là d'autant plus important guerrier que la police là qu'on cédé parfois à des situations côté que tu capable contrôler si que tu mets ton focus nous songe par exemple le premier ministre n'a descend dans l'hôpital général, là il fait belle show, belle bayo. Et puis il y a deux blindés campés devant l'hôpital général. Pendant blindé yo campé après des problèmes non. En l'air Solino là, on ti situation tension, on ti situation panique, blindé yo déplacé à porter renfort. Et puis bandit tout profiter faire quelques coups de balle exactement pour moi pour décrédibiliser action et me penser que la police pas doit prendre dans ça et comme d'accord diversion. Diversion, voilà le mot. Ouais, pas gain diversion là-dedans. Que quel que soit foyer de gang à pleuver camper l'autre côté mais focus belé à la je dis hein faut qu'il aboutit et faut qu'il aboutit à un résultat concret m'pa konnen comme yo même qui est stratégie yo planifie opération yo coordonné comment y a pa konnen dans différents points yo mettez des blindés etc. Mais ça certain nous même n'attend si la police dit li pas belle en haut et puis l'en a regardé comme journaliste qui ça travaille là ça résultat yé pas dit comme ça que et avec un jour d'opération, il blend up clean, pas bien bandit encore. C'est pas ça me dit. C'est pas ça me dit. Mais parallèlement, si la police fait une intervention, quel que soit le côté, il faut le payer. Par contre, l'autre élément qui est important, souvent pour la police, pour l'armée, mobiliser en permanence, guerrier Dieu seul, Ronald des hommes, faut que gouvernement tout mette moyens à la disposition. Et moyens, pas forcément matériel et équipement. Parce que trop de détails, il y a trop de détails que nous avons policiers à plein pour eux. Je dis, et je crois que nous avons mis ce deal, pendant les policiers sont sous ça, ou bien pendant la police veut réveiller, pendant l'armée, l'ordre pour accompagner la police, pendant la mission multinationale, ou bien Kenya veut montrer que vous n'avez pas demandé l'argent pour vous pour vous, eh bien tout encourager. Force de sécurité nous on a mettez moi à la disposition exemple qui c'est quoi mon comprendre pour ta coopération la police qui a fait pour police à plein pour frais ou bien pour prime de risque ça va le répéter ouais comment comprendre pour ta coopération qui a fait pour police à dou dans moment là petit quatre là pour pas tomber en retard ça va le répéter ça doit rentrer dans même situation d'urgence dans même état d'urgence que des bail faut accélérer avant de courir la police besoin information tout dans cadre renseignement pour faire opération pareil. Et puis, conseiller de l'argent qui a gagoté, qui est l'argent du renseignement pendant des années, en d'un pays à guerrier, mettez-la à la disposition de la police. Mettez-la à la disposition de la police. Et je pense que bandit, yo joue sous ça en pile. Il y a des chauffeurs moto qu'on ouvre dans la rue à guerrier, Dieu seul, Ronald des hommes, Dieu donné. Vous pensez que son chauffeur moto comme ça Non, mon cher. Il n'y a pas la veille pour un groupe emmené dans la région métropolitaine quelconque. Il fait un moto comme couverture. Et je crois que Patrick Alexis a expliqué mon réalité Saint-Domingue. Ou ka on machin de pain, ou ka on ti machin la papa, ap vann et n'importe ti bagay la, ou minimize l. Et ou tan son agent de CV la veye pou responsable yo, pou autorité yo pou di, men tel bagay ki fèt la, men ki sa gen konmen élément information. Donc bon paquet l'argent k'ap gagote nan non renseignement, non paquet boîte an dan peyi a, notamment au niveau du ministère de l'Intérieur, primature, la présidence et autres. Donc je dis à ces recommandes qu'à faut-il poser dans la gagote là, on prend l'argent ça yo, mettez en côté puisque tu vas on a dit caisse noire. Prend l'argent ça yo, mettez en côté et puis tout utilisez-le comme sérum pour membres qui dans force de sécurité au pays. La police pas doit pas demander pour augmenter salaire rapide vite. Nous te dis ça déjà c'est tout un mécanisme. Prime de risque. Il y a même au moins prime de risque, au moins permettre que quatre arrive à temps, au moins barre aux frais. Ah bon menti. Ça a aidé. Vous comprenez? Simuler les gars. Et nous t'en disons qu'on va discuter dans les couloirs du pouvoir. Si bah ça t'a vraiment pas encouragé. Mais attention, faut mettre tout. Pas le monter chaud dire sur nos grands monde, sur nos petits monde pardon, ou le descendre sur nos grands monde. Qu'est-ce qu'il y a? Vous parlez d'un fonds spécial, mais vous avez mobilisé là, mais ton côté, l'époque vous faites non, il y a une discussion pour question de sécurité, etc. Même si vous faites pour FNE.
Fonds national d'éducation. Mais il y a l'argent qui a gagoté. Et bien, le livre de la secrète diaspora. Et bien, bon, merci. Vous pouvez pas arriver. Là, j'ai fait deux ans. Parce que si vous avez utilisé l'abonné, il y a plus de choses qui ont fait toujours. Par rapport à ça, vous dites que vous faites. Bref. Je ne sais pas si l'argent ça va passer, tant que l'argent fait nuire, mais c'est un bon bagaille. Qui ont mobilisé des fonds spécifiques pour question de sécurité, pour renforcer la police, pour renforcer l'armée. Au lieu que nous avons regardé ce ministère des Finances qui a débloqué l'argent pour la police, le ministère de sécurité, bon fonds là. Oui, on a attendu pour nous demander. On a fonds ça là pour ça. On va faire ça si l'État fait, nous sommes contents, mais attention, ce n'est pas pour nous gagoter tout, non? Et bien, créer fonds. Vous comprenez? Pour ne pas détourner tout, non, même j'ai fait le FNU. Mounds, vous comprenez? Il y a deux seuls. Donc, bon, on mette des moyens à la disposition. Pendant que vous voulez des résultats, pendant que vous êtes sous pendant que vous êtes sous il y a besoin d'argent. Il y a besoin d'argent pour la police, vous frère. L'argent pour la prime de risque. Et puis, si 4 débits, affaire rivière. L'autre élément, si nous n'avons pas ajouté, monsieur, nous voulons avancer sur les jeudi, nous souligner à l'attention. Le responsable, notamment au niveau de la police à guerrier. Jodia, nous toujours dit la police qui voulait effectif, oui. Mais guerrier, l'inconcevable, pendant nos situations exceptionnelles à guerrier, pour la police a besoin de monde pour bataille, et puis pour chaque officiel dans l'État, pensez, pour le chef, il faut 10, il faut 15, il faut 20 policiers derrière. Ouais, bah, ça, moi, désolé, il faut le résoudre. Oui, il faut le résoudre. Mal tombé son article 29 hier soir, il parlait d'officiel qui a dépouillé la police à deux agents, mais moi-même, il va moins vivre. Dès qu'arrivé, Jésus seul, hier. T'es quoi activité pour le ministère condition femme t'as fait. C'est comme si la police nationale d'Haïti, oui, qui tout traversé. Tellement de policiers. Tellement de policiers. Ça qui passe, il y a plusieurs chefs là. Par les idées dont j'ai vu. Nous ne pas dire que nous sommes en situation d'exception. Nous avons besoin de monde qui pour bataille. Et probablement des policiers qui ont volonté. Des policiers qui ont cherché le détachement. Et parce que vous estimez pas que vous avez voté. Oui, parce que vous pensez que en détachement, vous êtes capable de privilégier, vous n'avez pas de jeune. Mais si les policiers sont guerriers, oui, il y a une opération qui a planifié, oui, il y a un moyen qui a fait pour l'opération, oui, ils valorisent le travail, oui, ils accompagnent les guerriers. Il y a pris des batailles. Oui. Comment vous comprenez pour un chef, je ne vais pas dire gros chef, petit chef, même pas comprendre, peut-être après le premier ministre, etc. Pour un directeur, il y a bien 7, 8, 10 policiers, 6, 7. On fait mal, on va aller pour valise, on va traîner mal. On va aller pour acheter manger. Mais quand même, il y a des gens qui campent devant la caille, devant la chambre. Ah, bah, comment ça, mon cher? Bon, c'est le problème, nous ne pouvons pas résoudre le problème structurel, pas vrai? Le problème effectif, nous ne pouvons pas résoudre du jour au lendemain. Mais minimum de ressources, nous avons un travail avec. Je ne sais pas si on a marché sans sécurité, il y a une sécurité vraie. Et puis tout, l'autorité va exprimer confiance. Il faut toujours que les gens soient supporters. Mais ça ne va pas lever la roue, ils ont mis dehors. On va aller voir un commissaire au milieu. On va aller voir un unité au milieu. Donc ça, c'est fondamental tout. Libérer les policiers pour aller dans la base, mettre moyens à la disposition en cas de accompagnement pour la bataille. Yeah. Oui, ça veut dire on VIP va obliger 5, 6, 7 policiers avec lui. Ouais, ça c'est peut-être chef CSPN, non? Premier ministre, le DGPNH là, qui pour penser sur ça. Donc réduit la quantité de policiers qui assurent la sécurité VIP. D'ailleurs, vous avez 9 présidents. Ouais? Vous avez monté tout USGPN, 4 teams, ouais, qui étaient avec le président. Mais vous là, est-ce que c'est même vous même qui avec 9 présidents ça ou bien c'est policiers et Udmo, Simo, l'autre unité qui est avec vous? En pile l'autre unité en détachement là. En pile l'autre unité en détachement. Vous comprenez? C'est pas possible. Si nous disons peut-être mobiliser, nous avons renforcé la capacité de la police, parce que les bails font agir sur eux. L'autre élément, je vais ajouter, en attendant M. Gonbanon et progresser, c'est la question policier corrompu. Nous avons toujours appuyé, ou bien plaidé en faveur de vetting dans la police. Peut-être nous avons un stade d'opération là, nous avons dit, et nous avons fait parallèlement, bien nous devons faire. Mais par contre, dans la planification d'opération, dans la coordination qu'a fait opération guerrier, il faut que nèg yo très prudent avec policiers corrompus. Qui ça me les policiers corrompus? C'est surtout policiers qui de connivence avec gang yo. Comme on reprend la police pour intervenir dans zone là, chef gang nan étant connait même avant policier pour aller. Bon problème.